Press 9. Or to hear these options again, press the star key. Thank you. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ABJJ TV. Donc la suite de notre dossier technique, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet du Armdrag. D'accord, donc la dernière vidéo, on avait fait une introduction, l'historique, un petit peu, présumé en tout cas. Et là, on a vu les distances du Armdrag, les trois distances principales, les deux distances annexes, entre guillemets. Maintenant, on va détailler un petit peu le travail technique par rapport à cette distance. Première distance, donc, on avait vu en kimono, il pouvait venir chercher ma manche. Quand il vient chercher ma manche ici, je vais venir choper sa manche à lui en dessous. Je vais pousser vers le sol et je vais tirer vers le haut en même temps. D'accord? Il est là, boum! D'accord? Donc je tire bien pour arracher le grip. Et là, je vais venir tirer sur le bras et la jambe en diagonale, donc du même côté que le bras qui tire. Je vais venir l'avancer à l'extérieur pour venir me coller. Je suis loin, on avait vu ça là. Mon bras derrière, il va passer ici. Je vais garder et avec l'oreille collée. D'accord? On va la refaire de là. Il tire la manche. J'attrape. Je tire. Je pousse vers le bas. J'avance le pied en diagonale. Je colle. Passe le bras. Boum, 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 boum. Et je viens verrouiller. Je laisse pas mes jambes traîner. Je suis en appui sur lui. D'accord? Et je viens chercher mes mains. D'accord? Je viens pas dans ce côté-là. La manche. Boum. 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 Ouais. Ça, c'est premier travail. D'accord? On met là. Donc en grappling, on peut faire exactement la même chose. S'il vient chercher le poignet, je viens chercher son poignet, tranchant. Technique de base, hein, libération de poignet. J'ai pas besoin de le tenir. C'est parce que moi, je vais aller chercher quelque chose derrière. Boum. D'accord? Donc on sait bien, en grappling, ça glisse un peu plus. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, on va passer, restituons ça un petit peu dans le travail au sol. D'accord? Donc ici, mets-toi à genoux s'il te plaît, Julien. Ici, si on a la distance, il m'a pas saisi, je l'ai pas saisi. Je peux moi faire la démarche d'aller chercher sa main, d'accord, en croisant, boum, au poignet. Et là, je vais venir tourner, tirer et avancer en même temps. Et ce que je cherche à faire, c'est à poser son bras au sol, d'accord. Une fois que moi j'ai mon bras tendu ici, c'est très dur, essaye de ramener ton bras. C'est très dur ici, une fois que j'ai tendu mon bras et plaqué, mis tout poids au sol, c'est très dur de revenir, d'accord. Donc je suis là, je viens chercher. J'ouvre, cette main-là, elle est libre, je peux m'en servir pour me décaler et je viens le tirer, d'accord. Maintenant que je suis là, je peux tendre le bras, tranquille. Vas-y, essaye de revenir. Ouais. D'accord, donc après, bien sûr, quand on dit armdrag, tout le monde pense le dos, le dos, le dos, le dos. D'accord, on va voir qu'avec l'armdrag, il n'y a pas que le dos, le dos, le dos, le dos. Il y a plein de choses intéressantes, d'accord. Parce que lui, il va défendre aussi, hein, donc... Deuxième façon de travailler, pour aller chercher cette main-là, en croisant directement ici, d'accord. Donc là, c'était en garde ouverte, là, on se retrouve en garde fermée, d'accord. Il grippe, il peut attraper le pantalon, la ceinture, peu importe. Ce que je vais faire là, c'est que je vais attraper avec mes deux mains la manche, d'accord. Et je vais venir tirer vers le haut et me servir de mes jambes en même temps. Boum! D'accord? Donc de l'autre côté, pareil. Je tire vers le haut, je ramène vers moi et je me sers de mes jambes pour lui casser sa base. Et je tire vers ma tête. D'accord? Une fois que je suis là, boum, 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 je viens plaquer sur sa hanche. D'accord? Donc là, je suis en armdrag. Après, je peux sortir les hanches, remonter sur lui, etc. Donc première, juste pour rester dans le même mouvement que tout à l'heure. Je pose le pied, boum, je sors les hanches, je reviens, je vais chercher le dos. Ouais. De l'autre côté, ça c'est pour finir, les autres c'est pareil. Hein. Celle qu'on a vue avant, on peut remonter de la même manière.
viens chercher. Boum. Je plaque. Je sors les hanches. Je remonte. Boum. Et je viens chercher le dos. D'accord ? Donc, premier travail sur les trois distances de saisie au poignet. Debout. Merci. Garde ouverte. Garde papillon. Ah non, t'en as pas fait garde papillon, mais bon, ça va rentrer dans la garde papillon quand même, de toute façon. Et pour finir, en garde fermée. Donc voilà, première série technique sur le arm drag par rapport au niveau du saisie de poignet. Donc on reviendra aussi sur tout ça. Entraînez-vous, potassez, révisez, travaillez, entraînez-vous. Et bonne soirée. Puss. Press 9. Or to hear these options again, press the star key. Thank you. Brothers and sisters.